Vous savez, il y a une chose qu'on dit. Hein? Quand on cache son visage là, tôt ou tard, hein, le voile va se lever. Tôt ou tard, le voile là, ça va se lever. Taguez-moi Fadiga Éveil Guinée. Fadiga Éveil Guinée. Raymond Ria Guitare, le vieux Cocodio, hein, qui est l'un des premiers à créer page Facebook ici. En Ria Guitare, je te dis ça. Moi, je ne viens pas défendre Fadiga. Hein. Comment il s'appelle? Fama. Fama ou Mandjan, là. Je ne viens pas les défendre. Maintenant, moi, je veux me charger de ton cas spécialement. Parce que les Fama sont en train de se battre pour la démocratie dans leur pays. Est-ce qu'il y a compris, fait? Donc, affaire de Djéné Kabala, si des personnes doivent parler sur ça, hein, moi, je suis la personne la plus impliquée parce que j'ai perdu un frère dans ça, là. On a perdu un frère dans ça, à la Massouma, à Kaloum. Et nous berina fera mouni rore do ma baye nande baye. Et nous berina fera mouni rore do ma baye nanye. N'tana fala febe. Et une colombe parce que est gris nanera. Tu es jaloux des gens. Parce que tu vois que Fadiga, Sende, Fama, on le suit. Les gens l'écoutent, les gens le partagent. Tu n'aimes pas ça. C'est pourquoi tu t'es reculé. Parce que les gens ne te suivent plus. Les gens ne t'écoutent plus. Fadiga éveille Guinée. Tu n'es qu'un mytho. Comment tu peux sortir dire que tout ce que Fama a dit sur Djéné Kabala, que c'est du mensonge? Tu n'as pas honte? Imudoroma, si tu veux te faire plaire au régime bandit là, c'est facile. Tu es libre de partir où tu es. Maintenant, tu es en train de montrer ton vrai visage. Parce que vous ne savez pas ici. Pendant les élections, partagez le live. Pendant les élections, on avait un groupe. On avait un groupe ici. Un groupe qu'on a surnommé le MSAC. Le MSAC. On avait un groupe WhatsApp. Le WhatsApp là, on parlait tout ce qu'on disait. On était des hommes influents. Il y avait des personnalités, c'est-à-dire des personnalités influentes qui étaient dans ce groupe là. On se disait des secrets là-bas contre le régime Condé. Mais tout ce qu'on disait là-bas, les gens là anticipaient. On ne savait pas d'où ça venait là. À Moukodom, on ne savait pas d'où ça venait. Maintenant, on commence à comprendre que des gens comme les Fadiga là qui se disent qu'ils parlent depuis combien d'années que rien n'a changé. Et rien n'a changé. Hein? Tout ce que les gens ont fait là, quand on s'engage pour défendre quelque chose, jusqu'au bout, on ne démissionne pas. Ça, c'est des paroles hypocrites, des paroles lâches pour dire qu'on s'est battu ici combien d'années, rien n'a changé. Alpha, il est toujours en place. Hein? Maintenant, tout ce que vous avez fait, vous qui êtes partis là, et nous qui venons d'arriver là, hein, c'est vous qui êtes perdants. Parce que maintenant là, ce qui reste là, ce n'est pas beaucoup. Ce qui est passé, c'est ce qui est beaucoup. En tout cas, ça ne reste pas 5 ans pour Alpha Condé dans la vie. Je ne suis pas Dieu, mais 5 ans pour Alpha Condé, si vous voulez partir là, partez. Il faut arrêter de... Tu sors au lieu d'appeler Fama. Si tu es fâché ou bien tu es en colère, Fama a fait une vidéo. Il a parlé sur l'histoire de Djéné Kabala. Tu te disais ici prétendant, défendeur de... Comment dirais-je? Envoyez cette vidéo-là dans tous les groupes. Allez, ben, quand on vient en live, là, on parle là. On parle pas, c'est-à-dire parce qu'on veut quelque chose ou bien on veut se faire plaire. On n'acceptera plus les hypocrisies là, ici, pour notre pays. Migyo Noumini, pour défendre Djéné Kabala pour cette affaire de drogue-là. Moi, je vais sortir te dégamer. Moi-même, je sors te dégamer avec ma bouche là. Parce que nous, on a perdu un grand frère dans ça. Vous avez vu le jeune qui est mort à Kaloum, à Bolobinet? À Bolobinet, à Lama, celui qui est mort à Bolobinet là. C'est un grand frère à moi. Je suis né devant lui, j'ai grandi devant lui. Son petit frère, Yamboulé, hein? Je suis ami intime à lui. Est-ce que vous avez fait? Donc si tu ne connais pas l'histoire de drogue là, sur laquelle Djéné Kabala est en train de rouler là, si Djéné Kabala est la victime d'Alpha Condé, on s'en fout.
Yanné Kaba s'est barré avec Alpha Condé à cause de l'intérêt pour être première dame. Hein? Maintenant, si elle s'était rendue compte au départ qu'elle était victime, pourquoi elle n'a pas cherché à aider le peuple? Pourquoi elle n'a pas cherché à se réconcilier avec le peuple? Pourquoi elle n'a pas cherché à travailler pour le peuple? Une personne qui part dire à Cancan qu'elle ne veut pas voir une autre drapeau à Cancan si ce n'est pas le RPG. Hein? Une divisionniste comme ça là, une haineuse comme ça là. Si aujourd'hui elle a le karma, tout ce qu'elle a sémé là, elle est en train de récolter ça aujourd'hui. Toi tu vas sortir un vieux cocodio yaguitaré comme ça. Si tu ne restes pas dans ton camping-car là-bas, tu la fermes là-bas, tu la fermes, tu laisses l'histoire de Djenné Kaba là en paix. Parce que moi j'ai perdu mon grand frère dans ça. Vous pensez qu'on a laissé ça? Vous pensez que les gens de Kaloum ont laissé ça tomber là, la mort de Ala Massouma là? Oui, on a ma mouna lourne. Mundo rene, bolobine ki, dana moun fourine, ne lorone retin. Wallahi billahi ta'ala, wona to mane ouyara. Donc, affaire de drogue de Djenné Kaba, c'est une réalité. Elle est impliquée. Parce que pourquoi? Quand Dadis est venu au pouvoir, les Sidiki Mara, et Moussa Traoré, que Dadis recherchait. Wakolo Dadis, il a attrapé beaucoup de personnes. Il avait attrapé les comment on dirait, j'ai oublié leur nom. Mais on a tous vu le feuilleton de Dadis ici. Ça se passait à la télévision nationale. Mais les Sidiki Mara et les Moussa Traoré, qui a la nationalité américaine, ils n'ont pas pu, et Rebel Ressanet, on n'a pas pu les arrêter. Mais c'est eux qui sont derrière le financement de la campagne d'Alpha Condé en 2010. C'est eux qui ont été à la base. C'est eux qui ont financé Alpha Condé. Vous avez vu, il y avait une humeur jaune là. C'est eux qui ont envoyé ça. Vous avez vu, il y avait des bus jaunes là. Nous, on connaît tout ça. Et ça dort, il y a Beninga, Amérique, Meni, Moussa Kolo. Nous, tout ça là, ça s'est passé devant nous. On connaît des secrets, on connaît des choses. Maintenant, les Sidiki Mara, les Moussa Traoré ont été comme des frères et sœurs intimes à la première dame de Alpha Condé, sa femme, sa soi-disant femme. Maintenant, ni les Sidiki Mara, Moussa Traoré même a une maison maintenant, la maison à Kalouma, à Bolobinet. Toi, tu parles, tu ne connais même pas ça. Il a une maison à Bolobinet, en ville. Il a une maison à Bolobiné, au port là-bas. Vers le port, c'est là-bas que le bateau de la drogue vient, ça accoste là-bas. Le bateau de la drogue là, ça vient, ça accoste là-bas. Qui a donné la maison là à les Moussa Traoré? C'est Djenné Kaba, ce que tu ne connais pas. Alama est rentré dans le jeu à partir de là-bas. Est-ce que tu... Si nous, on a perdu notre grand frère dans ça. On a perdu notre frère dans ça. Il a été tué parce qu'il connaît le nom de tous les gradés, les hauts gradés militaires qui sont impliqués dans cette affaire de drogue, qui ont dit, si le petit parle, ce n'est pas bon, il faut qu'on l'élimine. Donc, on l'a éliminé pour ça. Abara Farago, ses parents ont perdu, on l'a perdu. Maintenant, ceux qui sont responsables de ça, ceux qui ont été à la base de ça, hein? Drogue, c'est bon, vous gagnez de l'argent. Mais vous ne pensez pas que la vie des enfants, les enfants, les mamans qui perdent leurs enfants là, vous pensez que leur âme vont vous laisser en paix? Vous pensez que l'âme des enfants qui ont perdu leur vie à cause de cette drogue-là, parce que vous savez que vous ne savez pas, quand vous rentrez dans l'histoire de drogue, pour vendre la drogue, la cocaïne, vous avez vendu votre âme. C'est ça, c'est typique. Parce que du jour au lendemain, on peut vous tuer. Du jour au lendemain, on peut vous éliminer. Dès que tu rentres dans une histoire de drogue aujourd'hui, tu prends un kilo, tu prends même un gramme pour aller faire passer ou pour vendre, tu as vendu ton âme à la drogue là. Donc, affaire de drogue, c'est ça. Ce qui a fait que notre frère, Alaba, il était sorti à l'aventure. Il avait duré à l'aventure. Dieu ne l'a pas aidé. Quand il est retourné à Bolobiné, il est resté dans son coin. Mais Dieu a fait qu'il a eu ce petit groupe-là. Il est rentré dans le réseau-là. Tout le monde voyait que ouais, sa vie a changé. Mais on se doutait.
Comment? Qu'est-ce qu'il fait? On se posait la question. Donc, il est mort. On l'a assassiné. On l'a éliminé pour ne pas qu'il parle. Nous avons cette douleur-là. Maintenant, les personnes qui sont responsables de ça, les personnes qui sont coupables de ça, les gens vont sortir dire ça sur les réseaux sociaux. Et tant que mon Guitare, Fadiga, Éveil Guinée, tu vas sortir pour défendre Guinée Kaba, pour te faire plaire. Tu ne peux pas réfléchir pour te faire plaire. Tu ne peux pas réfléchir. Donc, l'histoire entre Fama Kanté et les Mandian Sidibé, ça c'est un autre débat. Mais je te dis, affaire de drogue là, je vous dis, j'ai dit hier que j'ai mené mes enquêtes, j'ai dit hier que j'ai des informations. Donc on va tout déballer, un à un. Comment ça s'est passé, comment ça s'est terminé, pourquoi maintenant Alpha Condé ne veut même pas voir sa femme. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu ne connais pas ça, tu veux sortir pour défendre les Madik là, parce que voilà, vous êtes dans le même clan, pour dire qu'on a parlé depuis combien d'années, rien n'a changé, on va se reposer. Allez vous reposer. Nous, laissez-nous continuer. Ce n'est pas votre affaire. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas sortir, manquer de respect à Fama. Si Fama, tu laisses passer ça là, ça c'est ton problème. Tu ne peux pas sortir, manquer de respect à Fama pour dire à Fama, un menteur, tu ne peux pas avoir honte de mentir. Moi, je suis mieux placé pour prouver que Guinée Kaba est impliqué dans l'affaire de drogue. La preuve, c'est elle qui a donné la maison à les Sidi Kimara, à les Moussa Traoré qui est à Bolobiné, chez nous. Je suis de Bolobiné. Les gens sont au courant de ça. Au port, c'est là-bas que le bateau vient accoster pour envoyer la drogue. Maintenant, Alpha Condé n'a plus, c'est-à-dire il n'a plus son taux d'intérêt dedans. Il a cherché à étouffer les gars-là, les Sidi Kimara et les Moussa Traoré. Donc, sa femme s'est opposée avec lui. C'est cette discussion qui est entre lui et sa femme. Quand la presse l'a demandé, il dit que sa femme est partie pour se soigner. Donc, ce que je te dis, toi, comment il s'appelle? Fadiga Éveil Guinée, vous êtes fatigué de dire de combattre. Tu vas sortir ici, tu es en train de montrer ton vrai visage. Parce que tu es un négri. Je sais et je t'ai remarqué depuis fort longtemps, parce que depuis que moi j'ai commencé les vidéos, tu faisais sortir, tu as fait beaucoup de clash contre moi. Parce que tu es un simple jaloux, tu n'aimes pas que quand quelqu'un sort là, qui est plus vu que toi, tu n'aimes pas ça. Maintenant, si tu es contre Fama là, il ne faut pas l'attaquer sur l'affaire de drogue là. Parce que ça là, Guinée Kaba, elle est impliquée. Si tu veux chercher une autre manière d'attaquer Fama Kanté, va, tu vas aller chercher autre chose sur Fama Kanté. Mais si tu veux attaquer Fama Kanté pour lui dire qu'il ment sur Guinée Kaba, je vais te dire, pour dire que oui, Guinée Kaba, c'est une femme qui ne parle pas, même ses enfants, elle est sortie comme ça, elle est rentrée comme ça. La pire première dame qui est mariée au pire président de la République de Guinée. La pire première dame de la République de Guinée qui est mariée au pire président de la Guinée. Les oiseaux de même espèce volent ensemble. Hey, si Guinée Kaba et Alpha Condé n'étaient pas les mêmes, pareils là, vous pensez qu'il y aura un mariage entre eux? Hein? Vous pensez que le bon et le mal vont ensemble? Non, c'est le mal et le mal qui vont ensemble. Le mal et le mal qui vont ensemble. Le mal et le mal, c'est ceux qui vont ensemble. Le bon et le bien ne vont jamais ensemble. Le bon et le mal ne vont jamais ensemble. Parce que si tu as un mari mauvais là, la femme qui est bonne là, la femme qui est généreuse là, elle va dire non, c'est pas bon, il faut changer, il faut rester comme si. Si ça ne va pas, elle va partir. Donc, tu vas sortir avec ton culot là, tu t'assois sur les réseaux sociaux pour dire que tu vas défendre de Guinée Kaba, qu'elle n'est pas impliquée, qu'elle est victime comme truc. Et t'en as la tête de mort, ça fait. Taguez-moi, Fadiga Éveil Guinée, le vieux Cocodios. Il est en train de montrer son vrai visage. Le groupe qu'on avait, MSAC, il n'était pas sincère. Quand on parlait dans la réunion, dans le groupe là, je sentais que tu n'étais pas sincère. Parce que tout ce que tu disais là, anyway, tu parles comme ci, comme ça, des trucs contournants là. Parce que quand on sent l'engagement à quelqu'un, sur quelqu'un là, on sent qu'il est engagé, on sent que lui il est prêt. Mais toi, tu tournais autour du pot, tu étais resté. Va, tu vas t'asseoir, tu fais vidéo. Mais moi je te dis, affaire de drogue là,
affaire de drogue là. Moi, j'ai perdu mon grand frère dans ça, Alamassouma, Abara Farah. Il est mort dans ça, de Boulbiné. Il m'a vu grandir, il m'a aimé, il m'a accordé son respect. Il est mort aujourd'hui. Même un mot de justice n'est pas sorti. Comment il est mort? Qui l'a tué? Nassé Semoura Barré. Pourquoi il est mort? Nassé Semoura Barré. Vous pensez qu'on est Mounem ou on est Nafira? Toi, tu vas sortir aujourd'hui, t'asseoir sur les réseaux sociaux pour défendre Guénin Kabé. Et Mouyalangue, tu es fou? Tu es fou? Fadiga, tu es fou? Tu es fou? Tout ce que je vais dire et je redis à toutes les personnes qui défendent la vraie démocratie dans notre pays, si vous avez des informations, j'ai dit des informations réelles qui sont pertinentes, ne restez pas cloué comme ça là-haut dehors. Vous restez tranquille ou vous voulez que c'est vous seulement qui avez les vues ou vous voulez qu'on dise que c'est vous qui avez annoncé ça. Hey, appelez-nous. Moi, je parle d'ailleurs à mes frères du même parti, UFDG, les communicants, tous les communicants. Je vous dis et redis, moi, Djibril, je suis ouvert à tout le monde. On va se partager les idées, on va se partager les informations parce que ensemble, wallahi billahi, on est plus fort que jamais. Il ne faut pas qu'on se garde les infos. Moi, hey, je suis petit go, mais il ne faut pas me minimiser. J'ai les bras longs, j'ai des bras longs qui sont contre ce régime-là, comme le ministre qui s'est confié à notre Yemberé Ndiallo là. La majorité des ministres aujourd'hui ne veut pas d'Alpha Condé, ne veut pas continuer avec lui. Parce qu'ils ne veulent pas perdre leur poste à cause de leur intérêt. Ils sont là, serrés au cou. Ils sont entre le marteau et l'enclume. Ils voient tout ce qu'on fait là, ils voient. Les ministres là, les cadres là, tous ceux qui sont avec Alpha Condé, les conseillers là, ils sont en train de me regarder. Tout ce qu'on dit sur Alpha, eux, ils savent que c'est vrai. Eux, ils savent que c'est la réalité. Ils attendent seulement que oui, le jour, voilà, pour le changement. Mais en ce moment-là, comme tout est fermé, la clé est avec Alpha Condé, ils préfèrent rester pour se taire, pour continuer à bouffer. Donc, affaire de drogue là, sur Guénin Kaba, si Éveil Guinée, Fadiga, tu as truc de réserve là contre Fama Kanté là, il faut chercher un autre argument pour dire qu'il ment. Mais ça là, Guénin Kaba est dedans. Pignan, qui a donné maison à les Moussa Mara, Moussa Traoré et les Sidi Kimara à Bolobiné. Awakata, va, elle va te dire ça. Regarde, tu viens, tu sors, tu t'assois sur les réseaux sociaux pour dire que moi je me suis trop battu. Combien d'années on parle ici? Est-ce que les choses ont changé? Combien d'années Madi qui parle ici? Est-ce que les choses ont changé? Hein? Est-ce que vous pensez que c'est les vidéos qui vont changer les choses? Hein? Vous pensez que c'est les vidéos qui vont changer les choses? Regarde-moi des conneries comme ça là. Si tu n'as rien à dire, tais-toi, reste dans ton coin, continue à te taire. Mais nous minibé, il n'a pas minibé. Pour dire des conneries comme ça là, n'tanimi ni ma girama ni to. Moné na ganti gima. Et puis il se prend le kilo de dire à Fama que Fama, comment tu peux mentir comme ça là? Toi, comment toi tu as le kilo de t'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire à une personne, hein, à un intellectuel que il ment? Comment tu peux mentir comme ça? Si tu es fâché contre lui, agis comme un responsable. Tu prends ton téléphone, tu l'appelles. Tu dis, mon frère Fama, ça va? Oui, ça va. On dit quoi? Ça va, ça fait longtemps. Ou si tu n'as pas de contact avec Fama, tu peux passer avec directement sur les gens qui ont contact avec Fama. Mais il y a orgueil, ta jalousie là, ça va continuer à te tuer. Si tu veux, continue à faire les vidéos. Mais le mieux pour toi, c'est de continuer à rester à te taire. Et lui ira Sendekouimani. Il y a camping-car. Tu restes dans ton camping-car là. Mais le mieux pour toi, c'est de te taire. Tu sors, au lieu de prendre ou passer par quelqu'un qui connaît Fama, tu dis, Fama, je veux te parler. Ce que tu as fait, je n'ai pas aimé. Ça ne m'a pas plu. Affaire de l'histoire de Guénin Kaba, de drogue là, ce n'est pas une bonne chose. Je n'ai pas aimé. Frère, il faut vraiment calmer la chose. Voilà. Mais tu es en train de montrer ton vrai visage.
en disant au départ de ta vidéo, cette vidéo n'a rien à voir de politique, cette vidéo n'a rien à voir de politique, cette vidéo n'a rien à voir pour défendre le RPG. Rentrer, sortir comme ça. Regarde-moi des conneries comme ça. Là où tu vas dire que Djenné Kaba, c'est une victime, tu défends Djenné Kaba. Là où tu vas dire que Djenné Kaba, hein, elle n'est pas, c'est-à-dire, ce n'est pas une mauvaise personne. Djenné Kaba, elle est calme, elle est tranquille. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu la défends. Regarde-moi ça. Tu veux te faire plaire au régime, non? Ou bien tu as envie d'aller en Guinée pour qu'on te laisse rentrer là? Va, tu vas choisir ton camp. Iwoye, ben, tu parles pour eux. Nous, on s'en fout. On s'en fout de ça. Tu peux aller en Guinée chercher toi. Mais de grâce, ne viens pas sortir, cracher sur des personnes qui ont une bonne dignité pour le pays, qui se bat pour le pays, qui sont en train de mettre feu derrière ce faux régime. Toi, tu vas sortir pour dire qu'eux, ils mentent, que c'est des menteurs, qu'ils n'ont pas honte, que c'est rentré et sorti comme ça. C'est toi qui mens parce que tu n'as aucune information. Un vieux cocodio comme ça, là, l'un des premiers blogueurs sur les réseaux sociaux, Fadiga, l'un des premiers blogueurs, parce que nous tous, on a vu Éveil Guinée avant, là. L'un des premiers blogueurs, si tu es fatigué de te combattre, là, assis-toi dans ton camping-car. Tu ne vas pas sortir ici, nous couper, c'est-à-dire la corde en cours de route. Il grave là, ce n'est pas les vidéos qui vont changer les choses en Guinée. Ce n'est pas les vidéos. Ma vidéo que j'ai fait sur Malick Sanko, je le dis et je le répète. Celui qui est proche de Malick Sanko va lui demander. 2 jours, il n'est pas sorti de chez lui. 2 jours, il n'est pas sorti de chez lui. Ma vidéo, l'audio de Malick Sanko que j'ai mis, 2 jours, il n'est pas sorti de chez lui. Ah, ça n'a pas d'effet, car les vidéos n'ont pas d'effet. Continue à rester là-bas. Les vidéos n'ont pas d'effet. Regarde-moi ça. Si tu te mets dans l'affaire de drogue, là, moi, j'ai perdu mon grand frère dans ça. Alama Souma, il est mort et Farah, ils l'ont éliminé à cause de ça. Parce pour ne pas qu'il parle, vous allez sortir, il rafala, ou les nanara, et moi, il y a l'engrais.